Aujourd'hui, c'est le mercredi 21 octobre 2020. Aujourd'hui, on va commencer unité 1, page 22, 23, 24 et 20, les vocabulaires, page 25. D'accord? On va identifier, s'il vous plaît, mieux. Soyez calme, s'il vous plaît. Je suis canadienne. Je suis canadienne. Dans this medium, this unit is called what? Je suis canadienne. I am canadienne. Je suis verbe être. Je suis canadienne. And after verb être, I add a name or an adjective or a nationality or a job. Okay. Here we add a nationality. Je suis canadienne. I am canadienne. What you will learn in this unit? Bien écouter le dialogue et essayer de le comprendre. Répondre aux questions page 24. Citer quelques pays francophones et quelle nationalité. Mettre les noms au pluriel. Conjuguer le verbe deux verbes de deuxième groupe au présent. 22. 22. Parler de mes activités et de mes loisirs. Bien prononcer le son que. Le son c. Le son que. Le son c. M'entraîner pour passer le Delphes Prime, page 29 et 30. Et on va étudier des civilisations après l'école. Après l'école, d'accord? Yanni, what you will learn in this video? We will learn to read a conversation and understand its meaning. And then we answer the questions, page 24. Okay? C'était quel pied francophone, number 3. We will take some, c'est-à-dire pied, pied. Pied, c'est-à-dire quoi? Pied, c'est quoi? Countries. Some countries were... Countries. Some countries where they speak French and some nationalities. Mettre les noms au pluriel. We will know how to put a noun in the plural form. Okay. Parler de mes activités et de mes loisirs. In unit 1, we learned how to present ourselves, our present, our family, or present one of my friends. In this unit, we will learn how to talk about our activities and our free time. Okay, in unit 1, we talk the sounds I, le son I, le son E, le son E, le son E, A, le son A. Dans ces unités, on va apprendre le son K et le son C, sound. Sounds. Okay, we will take some exercises about Delph from 29 to 30, and we will take civilization as we talk in unit one, the school in France. We will learn what are they doing after school. Okay, d'accord. That's what we are going to take in this module now. Unit 1, we learn to write about ourselves. Name, class, school. We learn to write about our friends. We described our friends, our family. But here we will talk about our free time, our activities in free time. D'accord? Are you painting? Yes, dancing, painting, drawing, playing football, yeah, swimming. No, yes, yes, yes. I'll take the new meaning. Je suis canadienne, je suis canadienne. Écoute le dialogue. Sarah, bonjour Clara. Clara, bonjour Sarah, comment ça va? Sarah, ça va bien. Et toi? Sarah, ça va très bien. Je te présente une nouvelle camarade. Elle s'appelle Clémence. Lara, bonjour Clémence. Quelle est ta nationalité? Clémence, je suis canadienne. Et toi? Lara, moi, je suis française. Clémence, tu habites ici depuis longtemps? Clémence, tu habites ici depuis longtemps? Clara, oui.
Ça fait 5 ans. C'est très sympa ici. J'ai beaucoup d'amis. Les gens sont gentils et bons. On aime bien la vie ici. Clémence, très bien. On est arrivé le mois dernier. J'ai rencontré deux voisins de toutes nationalités. Des Jordaniens, des Anglais, des Lépanais, des Américains. Il y a aussi des francophones, des Belges, des Suisses, des Français. C'est cool. Sarah, oui, moi, je suis Jordanienne. Je suis Jordanienne, mais francophone. Et ma famille aussi. Clara, tu vas aimer l'école, les copains et le séjour. Sarah, oui, bien sûr. On va s'amuser ensemble. On va inviter ta famille chez nous la semaine prochaine. Clara, ta famille est invitée, bien sûr. D'accord? D'accord? D'accord. OK, understand the text? The text is easy? D'accord, bonjour Clara. Hi Clara, bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va très bien? Very good. Je te présente. I introduce you a nouvelle camarade, a new friend, camarade ou copain, ami, friend. Elle s'appelle Clémence. Her name is Clémence. Bonjour Clémence. Quelle est ta nationalité? If you want to ask someone about their nationality in French, what will you say? Quelle est ta nationalité? Clémence, je suis canadienne. Je suis canadienne. Et toi? Clara, je suis française. Clémence, tu habites ici depuis longtemps? Habite, live, ici, here. Depuis longtemps, since long time. Clara, oui, ça fait 5 ans. It makes 5 years. C'est très sympa ici. It's very nice here. Sympa means nice. J'ai beaucoup d'amis. I have a lot of friends. Les gens, c'est-à-dire les gens, people, sont gentils et bons, are gentle and good. On aime bien la vie ici. We love so much the life here. Clémence, très bien. On est arrivé le mois dernier. We arrived last month. Et j'ai rencontré deux voisins de toute nationalité. I met neighbors. Voisins means neighbors. De toute nationalité. From all nationalities. Jordanien, anglais, Lipanais, américain. Il y a aussi de francophones. I told you francophones. People who are speaking French. De Belges, de Suisses et de Français. C'est cool. Sarah, oui. Moi, je suis Jordanienne. Sarah, je suis Jordanienne, mais francophone. Et ma famille aussi, and my family too. Clara, tu vas aimer. You will like. Va, verbe aller, plus another verb. You will like l'école, school, les copains. Copains means friends. OK, et le séjour, accommodation or stay. Sarah, bien sûr, on va s'amuser ensemble. We will have fun together. On va inviter... Invite your family chez nous to our home la semaine prochaine, next week. Clara, ta famille est invitée aussi. Sarah invited Clara et Clémence to her house next week. D'accord? Let's answer the questions first, please. Okay, let's read. Let's read first. Three girls, please. Just raise your hand. Don't say me. Be quiet. Et toi? Très. Elle s'appelle Clémence. Longtemps.
C'est très, non très, très. Je n'aime pas. Ici. On aime notre ami, notre on aime bien. Ici, 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 ici. Bravo, Clémence. Bravo. Voisin, voisin. D'écoute. Dépanner. Des Américains. Belge. Sarah. Vogue. Oui, moi. Yen. Francophone. Francophone. Aussi. Clara. Et ma famille aussi. Allez, Touline, tu vas aimer. Allez, Touline. Copain. Le copain et le séjour. Sarah. Oui, bien sûr. Amuser. Inviter. La famille chez nous. La semaine. Semaine. Prochaine. Prochaine. La famille. Famille, 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 bien sûr, est invité, bien sûr, mille merci, mille filles. La page 24, on va répondre aux questions par 24. Comment s'appelle la nouvelle copine? Comment s'appelle la nouvelle copine? La nouvelle copine s'appelle comment? Yeah, here you are. Comment s'appelle la nouvelle copine? Only one. Bravo, elle s'appelle Clémence. Mille merci. Comment tu t'appelles? No, wait. Oui. Non. Nantes. Comment ça va, Nantes? Tu me manques. Elle s'appelle Clémence. La note, note, note. Just wait, Clémence. I was right there. Wait. Allez, de quelle nationalité? Allez, il y a Batoul. You didn't answer. Batoul. Allez.
En français? Elle est canadienne. Excellent. Elle est canadienne. Comment tu t'appelles, Chaza? Tu es Chaza? Turin again? Non. I want Chaza. Where are you, Chaza? Chaza, elle est de quelle nationalité, Chaza? Elle est de quelle nationalité? Allez de quelle nation? Yeah. Où? Allez de quelle? Yes. Là, quelle nationalité, Clémence? Elle est canadienne, oui. So will for your iPad. You are. Clément et Clara se connaissent avant, before, avant means before. Choose girl. Les francophones sont, c'est qui? Joanna Adel, where are you? Les francophones sont les élèves dans l'école française, voilà les gens qui parlent bien français, voilà les français. Joanna Adel, où es-tu? Avant means before, yes. Huh? She write something? You are Joanna? To A? Yeah, les gens? Is what? Wait. Les gens, les élèves dans les écoles français, the students in the French school, only them, they are francophone. Voilà les gens qui parlent, c'est-à-dire parlent mine. B, numéro B, C. Yes, people who is talking French will. Okay, here you are, Toline. Les Belges et les Suisses. Les Belges et les Suisses parlent quelle langue? Anglais, français, espagnol? Français. Français, bravo. Les Belges et les Suisses parlent. Verbe parler, to speak. Parler means to speak. Les Belges, Belgique, you know Belgique? You know Belgique? You know Switzerland? People there are talking what? Which language? Français. Français. D'ailleurs. Rancy. Qui sera invité? Qui means who? Qui sera invité chez la famille de Sarah? Qui sera invité chez la famille de Sarah? Qui means who? Who will be invited to the family of Sarah? Who? La famille de Clémence seulement, c'est-à-dire seulement, only. Voilà, la famille de Clara seulement means only. La famille de Clara seulement, les familles de Clara et de Clémence. A, B, C, dis-moi. Yes, about names, about nationalities, yes. Vrai, d'accord. Clémence, why? Because they didn't know each other. Because
Yes, if they know each other, if they know each other, they won't ask about nationalities. طيب d'accord. Oui. Clémence est arrivée la semaine dernière. La semaine dernière. Fou. Le mois dernier. Fou. Même. Clara connaît. Semaine. Because she arrived last month. As I told you at the beginning of the session. Last month, not the last week. طيب. Clara connaît. Yalla Amina. Clara connaît Sarah depuis 5 ans. Ou parce qu'elle ne connaît pas Sarah. Là, Sanya, the grade 4, grade 6.